There can be no victory. The darkness always returns. Legends tell that these words were spoken by Sigmar, the first emperor. Some believe he had a vision of what was to come. But Sigmar uttered truth, not prophecy. The darkness always returns. Always. When the Skaven conquered Ubersreich, the flame of defiance guttered. The Reichland should have been lost, but heroes arose, and the vermin tide was repelled. Desperate for revenge, the Ratmen struck a pact with the barbarians of the Chaos Wastes, the worshippers of the Dark Gods. Once again, the Reichland stands upon the brink. Once again, heroes are needed. And yet, in the very hour of victory, the saviors of Ubersreich were taken, seized by the treacherous foe. With every dawn, hope fades. After all, if the greatest can fall into darkness, what chance can there be for those who remain? Ok, salut à tous, c'est Vindicaire et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de Vermintide 2. Alors je suis un grand fan des licences Warhammer, pour ceux qui ne me connaissent, enfin qui ne connaissent pas encore ce détail de mes préférences en termes d'univers science-fiction et médiéval fantastique. Parce que oui, j'aime Warhammer Battle, donc cette version-là, et j'aime aussi Warhammer 40 000. Et j'aime d'ailleurs tout particulièrement Warhammer 40 000, hein, puisque j'ai déjà commencé à écrire un roman dessus, et je connais le lore, les histoires, les romans, tout ce qui tourne autour, je les dévore. Hein. Donc, je me suis dit que c'était une belle occasion de... C'est quoi ça ? Parti. Ok. Alors, d'accord, c'est un petit peu abrupt, donc on a le mercenaire albardier, on a le nain, Rangers, ok, jusque là tout va bien, on a l'elfe, on a le sorcier, et nous avons, alors non, ça c'est l'inquisiteur, pardon, enfin le chasseur de sorcières. Et nous avons la sorcière. Et apparemment, vous avez à chaque fois des déclinaisons de chaque personnage, ce qui n'est pas le cas avant. Alors, est-ce que c'est un look ou est-ce que c'est vraiment un nouveau template pour le personnage? Donc, compétences de guerrier, carrière et capacité passive, tir cadencé. D'accord. Ok. Alors, moi, en général, je suis assez copain avec les nains. D'accord. L'archer, très bien. Chasseur de sorcières. Animosité, repousse les ennemis, ok. Ok. Donc, on va commencer avec le nain. Ça me paraît bien. Alors par contre, il y a un prologue que j'ai zappé la première fois pour voir si juste le jeu se lançait bien en fait. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le voir en entier du coup, et je pensais qu'il allait le rejouer, mais en fait non. Donc on va quand même se le regarder, parce que j'ai trouvé ça super bien fait, vous allez comprendre pourquoi. Ah non, non, ça c'est l'intro. Oui, mais c'est pas ce que je veux voir, moi. Legends tell that these words were spoken by Sigmar. Alors, on va le laisser courir, voir s'il me refait l'introduction ou pas. Some believe he had a vision of what was to come. But Sigmar uttered truth, not prophecy. The darkness always returns. Always.
When the Skaven conquered Ubersreich, the flame of defiance guttered. The Reichland should have been lost. Donc là, il parle du premier épisode, en fait, où les déferlantes de vermine se sont jetées sur l'Uberstreich, et vous, donc héros du premier épisode, les avez repoussés. Sauf que maintenant, ils sont de retour, bien sûr, et cette fois-ci, non seulement ils sont de retour en nombre, mais en plus, ils ont fait un pacte avec les guerriers du chaos, les nordiques. Du coup, à nouveau, il va falloir compter sur les héros pour sauver le Reich. In the very hour of victory, the saviors of Ubersreich were taken, seized by the treacherous foe. With every dawn. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à cette petite séquence ou pas? J'espère, ce serait cool. If the greatest can fall into darkness, what chance can there be? C'est en fait une petite séquence d'intro dans laquelle on est apparemment dans une espèce de cage suspendue. Ah, on y a droit. Alors je sais pas si c'est très long ni rien, mais j'ai trouvé ça super comme intro, parce qu'en plus c'est contrôlable. Du coup, à mon avis, je pense qu'on est un des héros du premier. Ah, la musique bien scavenesque, j'adore. C'est quand non seulement le lore est travaillé, le level design est travaillé, parce que tu sais que les développeurs se sont intéressés au concept même du jeu de plateau, et du lore qui en découle, mais que non seulement en plus ils ont travaillé les ambiances pour que ça colle avec effectivement ce qu'on attend d'une musique scaven, on va dire, entre guillemets, c'est génial. Ah, c'est tellement cool. Ah, et du coup ça c'est les guerriers du chaos qui viennent, ils ont carrément ouvert un portail. Bon, il est pas content parce que le portail est pas encore super au point, et le Skaven, bien sûr, dans tout son courage de rat, oh putain, ça c'est pas bon ça. Dans tout son courage de nain, de rat, pardon, lui propose de, enfin lui explique qu'il va bientôt réparer ça quoi. Et l'autre il lui dit t'as intérêt parce que là j'ai vraiment une horde sans fin de créatures qui attendent de pouvoir traverser. Oh, et c'est carrément un tuto, mais c'est génial, c'est super bien fait. Ok, alors, fuyez, d'accord, comme ça. Ah, mais c'est trop bien. Oh. Tiens. Ah, mais c'est tellement bien fait. Ah putain, le jeu est magnifique. Wow. C'est quoi, c'est l'Unreal Engine? Ou c'est un truc à leur sauce? Alicia. Caster. Yes, it's me. I'm here to help you escape. And with the Skitter Gate shaking up this place, the time is now. You were on your way to being sacrificed, so you can thank me later. Je suis sur le point d'être sacrifié et il faut que je me jette dans une fosse de combat en fait. C'est ça la bonne idée entre guillemets, c'est ça? Ok. C'est marrant mais je m'y attendais. Ah putain, des guerriers du chaos. Ok. Pareil, oui, message merci, je connais. Il pue. Ok, tu la ramènes moi là, hein. Et viens là. Oh, d'accord. Ok. Ça, pour l'instant, ça change à rien. Oh, c'est que tu l'armes lourde, c'est pour ça qu'il me propose d'esquiver plutôt. Ah. Putain, c'est costaud la bête. Je peux pas prendre son arme. Attaque puissante. Ah, bonjour. Pi. Ah.
J'adore le ragdoll de ce jeu. Tiens. Donc oui, si vous l'avez pas encore compris, c'est un jeu qui se base sur le principe de la horde, si vous connaissez pas. Un peu à la Left 4 Dead. Casse-toi ! Mais qui est quand même, je trouve, plus compétitif, hein. En tout cas si c'est comme moi. Oh, c'est le nain ! Attendez, on va l'aider. Non ! Non ! Allez, nien ! Hey, salut ! Gazungi. Oui, oui, je sais, il faut que je sauve Bardin. Yeah. Comme ça? Ah, d'accord, ok. Bonjour. Oh putain, une vermine de choc. Capacité spéciale. Comment c'est génial! Il y avait pas ça avant! Il y avait juste des armes, quoi. Ah, tu fais mal. Non. Voilà, cassez-vous tous. Putain, je peux pas récupérer son arme. Ah, donc maintenant, il y a vraiment des capacités F. Ok. Ah, j'ai une jauge qui se recharge, d'accord. J'imagine que la barre verte à moitié remplie, ça doit être ma vie. Et la barre violette, du coup, c'est les capacités. Et après, je suis censé avoir un. Ouais, j'ai pas entendu. J'ai pas compris ce que t'as dit. Et après, du coup... oui. Il est où? Ah. Genre, il a un arc. Oh, d'accord. Non. Oui. Ok, donc il a un arc, le... l'impérial. C'est nouveau. Enfin. Ah! Casse-toi. Ah! J'aime bien le rat qui cherche sa tête alors que je viens de le décapiter. J'adore. Ok. Bon, avant... Enfin, dans les premiers, il n'y avait pas d'arc, hein, c'était... il faut le balancer où, celui-là? Là-bas? Ok, alors, est-ce que je peux faire un combo cool, genre foutre le feu à ma flèche, ou tirer? Ok, d'accord. Donc, si tu tires comme ça, ça marche. Boum. Boum. Oh, merde. Pas assez. Eh, est-ce que je viens de chier? Est-ce qu'il faut que je mette les deux en même temps, sinon ça marche pas? Est-ce que c'est ça ce que je dois faire? Ah non, ok. Je me suis juste fait chier pour rien en fait. Donc des munes, très bien. Oh. Oh. T'as pas l'air cool toi. Non. Changer d'arme. Et bah c'est ce que j'ai fait, merci. Cassez-vous. Saleté. Esclave de merde. Voilà. Ok. Maintenir, ok. Bonjour. Ah. Par là ou par là? Non, je peux pas y aller par là. Attends, Bardin. J'arrive. Comment il s'en bat les couilles de ce qui se passe? Bon, en même temps, c'est un nain. C'est pour ça que j'adore, d'ailleurs, la race naine dans Warhammer. C'est ce qu'on trouve dans... T'inquiète, tu là. Voilà. C'est ce qu'on trouve un peu dans l'esprit du nain de du Seigneur des Anneaux, mais en puissance 1000. Oh, il est classe avec les tatouages et tout, runique. Alors, ouais, t'inquiète. Ah tiens, ils ont changé de gueule, les bandages, ils sont plus cool. Ok, alors, on va te soigner, hop. C'est bon? Tu vas mieux?
Ah merde, je me suis soigné. My bad. Alors, ok. Et du coup, c'est comment pour soigner un allié? C'est peut-être clic droit, du coup, plutôt que clic gauche. Ouais, d'accord, c'est clic droit. J'ai fait clic gauche. Ok, j'ai fait de la merde. Bon, de toute façon, j'en avais besoin. T'inquiète. Hello. Putain, tiens. Ça marche bien, son truc de charge. J'adore. J'ai hâte de voir ce qu'il a le nom. Ça doit être un truc barbu. Oula. Oui. Et... oh merde. Tu veux me faire croire que... D'accord, ok, donc tu viens de te fumer un Raok toute seule, toi qui es spécialisé dans la distance. Ok. Donc en fait c'est ça, on réunit le bon vieux commando du 1. Ouf, j'aime déjà cette classe. Oh, c'est quoi tout ça? Potion de concentration, ok, ça c'est pour mon ulti. Ah merde, je devais choisir. Alors. Ok. Ouh. Oh, mais je peux plus charger. Ah merde, j'avais pas encore ma jauge. Ça, c'est carrément autre chose de se battre contre des guerriers du chaos. Oh, familiar sounds, mates. Firming up impers. Aye, good. Ok. Coucou. D'accord. Comme ça. Normal. Donc ça c'est quoi? Potion. Point. Ah t'es comme ça? Bon. Bon ils se servent tout seuls comme dans le premier. Bonjour. Bonjour. Tiens. Voilà, l'attaque chargée quand même one shot les gros. Le bruit. Qui c'est qui me taunte là? Attendez. On va régler ça. Ok. Trouver un moyen de sortir. Ouh! Connerie! Ok. Eh, c'est pratique ça. C'est bon à savoir. Alors, ça, c'est quoi? Potion de célérité. Ah oui, d'accord, c'est les fameux boosts qu'il y avait dans le premier. Ok. Sauf que maintenant, c'est sous la forme d'une potion. Adrénaline! Wouhou. Et ascenseur. Je suppose qu'ils vont être téléportés dessus comme avant. Ouais, c'est ça. So far, this definitely beats the cage. But then again, we're going up a bloody high cliff on a Skaven contraption. Putain, c'est trop classe. We're not dying from anything wrought by Skaven paws today, darling. Not after this. Can we talk about that? This, a solid skittergate, Northlanders and Skaven together, Alicia in my head. And the eternal shame of being filled and caught by a rat. Aye, and where in Grungy's name are we? Doesn't smell like Uber's rat. Darlings, one at a time. Faut que je mette tout à fond. Mais déjà, il est magnifique le jeu. The remains of Helmgart. The weave is in agony, twisted and torn asunder by corruption. Tall's teeth. Back to normal for us then. Ooh. Ah, on est dans une ville de l'Empire en fait. D'accord. Is this
real? I mean, look at this. Ah oui, c'est le bordel, effectivement. Fuir par le pont des ombres. Très bien. Ah, le sorcier. Le chasseur de sorcières. Mais ça, c'est quoi, alors? D'accord. Oh. Ok. un peu abrupt la fin. Mais du coup, c'est vraiment bien foutu le principe du tuto qui s'insère dans la vidéo d'intro du jeu, qui met en scène un peu les ennemis, qui met en scène un peu le cadre dans lequel ça va se passer le Vermintide 2. Donc franchement, je trouve ça super cool. C'est vraiment bien pensé, et c'est la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo. Bon, je vais pas faire une nouvelle partie, parce que je pense que je vais au moins en avoir pour 30-40 minutes. Ça risque de faire une vidéo un peu longue, du coup. Mais bon, comme ça, ça vous laisse le temps de voir si ce jeu vous plaît. Si vous voulez voir plus de gameplay, vous me le dites dans les commentaires, comme toujours, et puis on se fera quelques vidéos dessus. C'était Vindicaire, et c'était pour vous à la découverte de Vermintide 2, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Allez, ciao à tous et bonne soirée.